connaît le lourd passif de cette institution envers les Guinéens, il ne faudrait guère s'étonner qu'elle soit incapable d'organiser le scrutin le 4 février 2018 comme prévu. Car après tout, en Guinée, un calendrier électoral n'est jamais gravé dans le marbre. Donc il faut dire à Talibé qu'avec ces élections locales qu'on croyait bien parties, c'est finalement le serpent qui se mord la queue. D'accord. Et vous, de ce part, vous pensez que le pouvoir joue à pile pour face avec l'avenir de Guinée? Oui, Talibé, en plaçant la barre haut pour les cautionnements à verser pour faire acte de candidature à ces élections locales, la mesure avait suscité la controverse. Certains acteurs politiques, dont le leader du bloc libéral, Dr Faïa Milimono, avaient soupçonné une manœuvre visant à dissuader les petits partis et les listes indépendantes afin de les contraindre à renoncer à leurs ambitions. Le pouvoir voulant coûte que coûte rester le maître du jeu. Il faut dire que la conjoncture lui est favorable, avec une CENI qui a le doigt sur la couture du pantalon. Et certains vont interpréter cette obséquiosité vis-à-vis du palais par ce proverbe africain qui dit que la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Donc Talibé est... Disons que Maître Salif Kébé et son équipe ont beau jurer de rompre avec les vieilles habitudes, ils sont loin d'être des saints. Ils sont tenus d'obéir aux oukases du pouvoir, ce pouvoir même qui est celui qui détient l'honneur de la guerre électorale. À part, disons, la communication qui avait été faite sur les 90 milliards de francs guinéens qui avaient été affectés aux caisses de l'État pour démarrer les préparatifs du scrutin, on n'en sait plus trop sur la gestion du circuit financier entre le trésor public et l'institution électorale. L'État guinéen s'étant engagé à régler rubis sur l'ongle la note estimée à plus de 300 milliards de francs guinéens. Donc à cette allure, comment s'attendre à la tenue d'élections transparentes? L'opposition commence d'ailleurs à dénoncer la lourdeur administrative qui entoure la délivrance des documents d'état civil et l'ingérence des administrateurs territoriaux dans les procédures administratives. Ceci agissant, on le sait, avec la bénédiction du MATAP. D'accord. Et vous, vous faites la revue des troupes au sein des différents candidats et vous vous attardez sur les candidats indépendants que vous décrivez en trouble fête. Oui, lors du scrutin du 4 février, les partis politiques ne seront pas cette fois les seuls à compétir, le vote étant ouvert à des listes indépendantes. Parlant du postulat que dans une élection locale, la personnalité du candidat, disons, partant de ce postulat qui dit que dans une élection locale, la personnalité du candidat compte davantage que l'étiquette politique sous laquelle il évolue, il faut s'attendre à ce que les jeux soient serrés et à l'issue de ces joutes électorales. C'est le lieu de dire que la partie n'est pas gagnée d'avance pour le RPG et l'UFDG qui dominent ces dernières années l'échiquier politique guinéen, pour la simple raison que certains candidats indépendants proviennent des rangs de ces partis pour mieux jauger sans doute leur popularité. Ces candidats ont cru bon de s'affranchir de toute nuance politique. Donc ces listes indépendantes qui viennent troubler le jeu des partis traditionnels commencent cependant à se heurter à la suspicion et à l'hostilité des partis politiques et non des moindres. Tenez-vous bien, Serou Dalein Diallo a déclaré en personne que tout candidat indépendant sera considéré comme un ennemi et traité comme tel. Un manque de fair play qui a suscité un tollé au sein d'une partie de l'opinion. Et Baoui, vice-président de l'UFDG en froid avec son parti, avait condamné avec véhémence ses propos du chef de file de l'opposition. Maintenant, du côté du parti au pouvoir, c'est Bantam Asso, un ministre de la République, qui agite le chiffon rouge tout en menaçant tous les cadres qui ne se joindront pas à l'effort de guerre dans la perspective de ces élections. Message subliminal qui sous-entend que
les candidatures indépendantes sont pas mises dans les rangs de la majorité présidentielle. On est là, Talibé, dans un faux dilemme qui se traduit par la formule « Ou vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi ». Emprunté à l'évangile de Matthieu qui dit que l'île ne peut servir deux maîtres. D'accord. Et vous chutez par cette conclusion qui voit dans ce scrutin des passions qui se déchaînent de part et d'autre. Oui, Talibé, bien qu'on en soit toujours à la phase de composition des listes de candidatures, l'ambiance dans la cité commence à prendre des allures de campagne électorale. Dans les états-majors des partis, la tonalité des discours est de plus en plus martiale, avec des leaders qui battent le rappel des troupes. Les candidats indépendants, dont certains sont perçus comme des simples dilettantes, se préparent toutefois à tenir la dragée haute aux partis politiques. Tout ça fait craindre une montée d'adrénaline lors de la campagne électorale qui va durer 2 semaines. Et Talibé, on a encore en mémoire l'élection communale de 90 qui fut la plus meurtrière en Guinée avec une fin de campagne qui avait dégénéré en affrontement entre les militants des deux challengers dont Ibrahima Sori, Ibrahim Khalil Keïta, l'actuel préfet de Siguiri, et Michel Guéli qui était proche du pouvoir à l'époque. Les violences avaient pris une tournure communautaire et 27 ans après cette tragédie, notre pays reste malheureusement hanté par ces vieux démons. D'accord. C'était donc là, chers auditeurs, la chronique de Mamadou Diambaldé. J'espère que vous avez été bien servi de part en part de cette chronique intitulée « Élections communales, un sac de nœuds ». Alors, on marque une pause et on revient à notre invité, M. Mohamed Touré, secrétaire général du parti PDG RDA. Nous des variations même. Merci très bien. Quel état? Comme ça, on est sécurisé. On contrôle. Les coupures sont fréquentes par là. C'est partout. C'est le rêve qui s'est transformé en cauchemar. Ouais. C'est comme ça, il n'arrive pas à joindre. Depuis que je l'appelle, il ne décroche pas. Il a lutté. C'est-à-dire, quand je le joins, il dit Amara. En quelle Amara? La jeunesse. Il peut faire des textes pour laisser à tous ceux qui veulent.
Ousmane, bonjour. Allô? Oui, Ousmane. Ça va, et toi? Je suis à la radio, là. Oui, Radio City FM. Oui, donc j'ai une heure du temps d'émission ici. C'est 88.1. Tu dis, tu es désolé pourquoi. Ah oui, mais moi, toi aussi, je ne suis pas tué. Tu as fait pour ça. Oui, ça va, ça va. Mon chef, tu sais très bien que ton frère est stoïque. Il a tiré ça de toi, non? C'est toi l'exemple du stoïcisme. Merci. On n'est pas stoïque à Guinée, on crève. Non, elle n'a pas de femme. Elle est de Oulada. Allô? Oui. Oui, ça va? Voilà, retour dans ce studio de City FM. Après un petit passage en vide dû au souci d'électricité, mais tout est réglé. On revient donc en forme à notre invité, M. Mohamed Touré, le secrétaire général du parti PDG RDA. Rebonjour, M. Touré. Oui, bonjour, M. Kadibé. Les auditeurs le comprendront, vous avez un petit chat dans la gorge, puis un petit rhume, mais bon. On va gérer. Si on pouvait mieux gérer les ordures de Conakry, peut-être qu'on serait moins malade. D'accord, on en parlera dans l'émission. Alors, M. Touré, on va ouvrir cette émission par une page souvenir. Le 22 décembre dernier, le 9e anniversaire de la mort du président Alassane Conté a été commémoré notamment du côté de Bouramaya. Quelles impressions cela vous laisse-t-il? Bon, d'abord, nous voulons transmettre encore nos sentiments à la famille du défunt et à tous ceux qui, dans sa famille politique, continuent à croire en valeur. En tant que chef de l'État guinéen. Ceci dit, nous pensons qu'il soit bon, correct, que ce soit des étapes qui permettent de se remémorer et de toujours faire une rétrospective sur la vie de notre nation. Et savoir en tirer les leçons les plus objectives afin que le présent bénéficie des leçons qu'on tire de notre passé et que l'avenir soit construit en
renforçant tout ce qu'il y a de positif dans notre passé et en éliminant systématiquement tout ce qu'il y a de négatif. Donc, c'est des points d'histoire qui sont nécessaires. Je constate que c'est au niveau du Buramaya que cela a été organisé. Je pense que nous devons faire l'effort d'organiser ce genre de manifestation de manière plus systématique, de manière plus nationale, non seulement pour rendre hommage à nos défunts, mais aussi pour, comme je le disais, tirer les conséquences objectives, les plus objectives de notre parcours historique, afin que un éclairage plus net soit fait sur notre devenir. Monsieur Touré, on sait que le feu Lansana Conté a déjoué tous les pronostics, puisque les pronostics les plus pessimistes ne lui donnaient pas autant d'années qu'il aurait vécu jusqu'en décembre 2008. Et comment, que faisiez-vous, où étiez-vous quand la nouvelle de la mort du président Lansana Conté a été annoncée dans la santé? Bon, je vous dirais simplement que quand la nouvelle du décès s'est fait savoir, nous étions ici à Conakry, mais dans le contexte dans lequel nous étions, les choses se sont passées. Puisque je crois que la succession avait été plus ou moins préparée de deux manières, une manière officielle et une manière moins officielle, je crois que de toutes les façons, elle s'est passée comme elle s'est passée. Mais comme vous vous y attendiez? Comme nous nous y attendions, non. En fait, nous ne pouvions nous attendre à rien du tout, puisque d'abord, premièrement, nous étions loin du système. Deuxièmement, constitutionnel, parce que la Constitution prévoyait que ce soit le président de l'Assemblée, en pareille circonstance, qui reprenne les choses en main. Oui, c'est vrai. Le problème, c'est qu'il y a déjà une tradition qui s'était manifestée en 1984, au passage des témoins du pouvoir d'État. Quand une jeune militaire s'est emparée du pouvoir. Et cette jeune militaire était justement dirigée par le président Lansana Conté, il ne faut pas l'oublier, après laquelle ils ont fait 10 ans pratiquement de transition avant d'aboutir à ce que nous connaissons aujourd'hui, enfin le système hybride qui en est sorti après 10 ans, après avoir escamoté tant bien que mal le système que le PDG avait laissé, le système de gouvernance et de l'État que le PDG avait laissé. Donc, cette tradition était, et cette tradition peut-être s'est manifestée aussi après le décès du président Conté. En tout état de cause, nous étions très loin des choses, nous étions très loin de toute cette réalité, et nous ne pouvons pas dire aujourd'hui que nous nous attendions à un parcours donné. Non, sincèrement, nous nous attendions à ce que des choses extraordinaires se produisent, et c'est exactement ce qui s'est produit, puisque nous sommes d'accord qu'à la fin du régime du président Conté, l'État lui-même était devenu si délétère que rien ne tenait. Oui, M. Touré, dans les réactions qui ont été enregistrées lors de la célébration de ce 9e anniversaire, on a assisté à une sorte d'unanimisme où on dépeint M. Lansana Conté comme quelqu'un dont le parcours durant les 24 ans n'a été que positif. Est-ce que cela, vous partagez cet avis-là? Vous savez, il est très regrettable. Aujourd'hui, en Guinée, qu'on juge
des systèmes. Par le jugement qui s'impose à des hommes. Le système a beau être représenté par un homme qui est à la tête du corps de ce système, mais cet homme ne représente pas ce système. En réalité, dire le président Conté, il a été bien, il a été le père de, il a été, etc., etc. C'est un peu simplifier à l'extrême ce que nous devons tous comprendre. La vérité, c'est que c'est un système qui s'est établi. Je disais tout de suite qu'il a fallu 10 ans pour démanteler le système qui a précédé, le système auquel le groupe de militaires qui ont pris le pouvoir, le CMRN s'est mis en place. Il a fallu 10 ans, n'est-ce pas, pour démanteler ce système-là, pour essayer en tout cas de sortir de ça un système. Ils ont créé un système hybride. Mais ce système hybride qui a été créé... Hybride, ce n'est pas fait de quoi ? Parce que qu'il n'était pas complètement ce qu'on voulait qu'il soit, c'est-à-dire complètement différent de la réalité de la société guinéenne, parce que le régime du PDG était fondé sur la réalité de la nation, mais un système qui s'opposait au régime du PDG, mais qui n'était pas tout à fait aussi à la pointe du libéralisme, comme on l'a proclamé. Donc ce système hybride, qui était un système plutôt libertin, qui a été créé sur la base de fonctionnaires d'État, qui se sont accaparés systématiquement de l'appareil de l'État et qui ont fait en sorte qu'avec une bourgeoisie comprador, la bourgeoisie bureaucratique, se sont ligués pour donner ce système que nous vivons encore, d'ailleurs. Hein? Il a encore une survivance très forte. Il se reproduit à une échelle extraordinaire. Aujourd'hui, avec des capacités beaucoup plus grandes que celles qu'il y avait à l'époque. Quels sont les caractéristiques de ce système que vous dénoncez? Ce système est caractérisé par quoi? Par l'accaparement de tout le pouvoir par une minorité. Une minorité qui s'est placée, qui a fait une omerta, si vous voulez, sur l'État. Et qui, à partir de cette position, une OPA, qui à partir de cette position de dominance, à partir de cette position de privilège, continue à se reproduire, tout en négligeant systématiquement la majorité des Guinéens, en les mettant dans un état de paupérisation quasi absolue, avec donc un système de répartition des revenus qui aujourd'hui défie toute logique. Aujourd'hui, vous voyez très bien qu'il y a une catégorie de personnes, peut-être les 0,5% de la population guinéenne, qui bénéficient largement de tout ce qu'il y a comme production nationale et que la grande majorité de la population vit dans la misère la plus grande, la plus coupissante. Et cet phénomène est si généralisé et si accepté qu'il y a même aujourd'hui de nouveaux modes de répartition des revenus. D'accord. Vous voyez par les sacrifices quand il y a un décès, quand les baptêmes, parce que la société essaye de récupérer quelque part. Mais cette société n'est pas du tout sur le même niveau que, n'est-ce pas, la superstructure ou l'État qui est supposé la représenter. Mais M. Touré, quand vous parlez d'un système hybride que le régime militaire conduit par Sékou, par Alpha Condé, plutôt Lance Alpha Condé, a essayé de mettre en place, ce système a mis à contribution des hommes qui, pour partie, peuvent être considérés comme étant des produits des 26 ans de règne du
du feu président Ahmed Sékou-Touré, puisque ce sont des militaires qui ont servi sous le drapeau, sous le règne du président Sékou-Touré, et pour partie des civils. Mais nous sommes entièrement d'accord. Mmh. Nous sommes entièrement d'accord. Pour qu'un État existe, il a besoin d'une bureaucratie. Il a besoin de cadres, d'une administration. Donc, cette administration, c'est le PDG qui l'a mise en place. Parce que l'État guinéen, c'est le PDG qui l'a créé. Mais que cette administration en son sein soit divisée ou partagée entre des tendances de préférences idéologiques, parfois différentes et même opposées, cela aussi est justifiable. Qu'à un moment donné, la dominante soit assumée par un groupe contre un autre, cela aussi. Un groupe aux valeurs perverties, c'est ça? Perverties aux valeurs différentes. Aux valeurs différentes. Pourtant, sous le PDG, on n'avait pas l'impression qu'il y avait une différence de vue, d'idéologie ou de perception, parce que ceux qui parlent souvent du PDG parlent d'un système plutôt vertueux en termes de gestion de la chose. Oui, le système était vertueux en tant que tel. Mmh. Mais cela ne veut pas dire qu'à l'intérieur du système, les tendances ne se manifestaient pas et que ces tendances ne s'affrontaient pas. La démocratie, nous avions un parti unique. Un parti unique, mais qui clamait une démocratie effective. Une démocratie participative et directe qui permettait à tous les citoyens de participer au débat politique et de s'insérer ainsi dans la vie politique de la nation. Donc, les tendances qu'il y avait au sein du PDG étaient présentes et s'affrontaient au sein du PDG. Et parfois, il y avait soit dominante d'un certain côté ou dominance d'un autre côté. Cela est une réalité. Mais après le PDG, c'est vrai qu'il y avait une goupille, parce que, n'est-ce pas, la morale politique que le PDG défendait, c'était celle de la défense systématique de tout le peuple de Guinée, et particulièrement des classes les plus défavorisées de la société. Donc, des systèmes étaient mis en place, un État était mis en place, c'était cet État-là qui, n'est-ce pas, la Deuxième République s'est évertuée à démanteler, pour créer, bon, c'est ce que j'appelle quelque chose d'hybride. Cet État était là et veillait au grain afin que tous les Guinéens puissent bénéficier à part, je ne dirais pas égalitaire, mais équitable tout au moins, de la part du revenu national. Ce qui se faisait, ce qui fait que la pauvreté, l'état de misère générale que nous avons aujourd'hui, n'était pas celui qu'il y avait. Mais que aussi, ce qui faisait aussi que les richesses excessives d'une certaine catégorie de personnes ne pouvaient pas aussi s'exprimer. Et M. Touré, quand le président Alpha Condé dit qu'il a pris la Guinée là où Sékou Touré l'a laissé, n'est-ce pas là une illustration de l'échec du système Condé? Bon. Le président Alpha Condé dit, le président Alpha Condé lui-même justifie ce qu'il a dit. Je ne peux pas interpréter pour lui ce qu'il a dit. Ce que je sais, c'est que de toutes les façons, dans le cas, par exemple, que nous vivons aujourd'hui, celui des élections communales, dont vous avez fait un éditorial merveilleux au début de cette émission, nous prouve que dans la démarche, le président Alpha Condé ne peut pas avoir pris la Guinée où le président Sékou Touré l'a laissé. Parce que le président Sékou Touré a permis, depuis le PDG, cela dit, quand on dit le président Ahmed Sékou Touré, c'est vrai que c'est lui qui est peut-être l'épiphanie, mais c'est tout un système, c'est un homme, c'est un groupe de personnes qui ont fait le travail et qui doivent être reconnus comme tels. Et depuis 1957, quand on a supprimé la chefferie traditionnelle ici,
les populations et les citoyens guinéens ont eu le droit d'élire leurs représentants directement au niveau des villages, directement au niveau des districts aujourd'hui et des secteurs, à plus forte raison des quartiers. Aujourd'hui, avec le recul qu'il y a, malgré que la Constitution, parce que la première loi électorale était claire sur cet aspect, il a fallu qu'un forcing soit fait par des partis politiques que moi je condamne, qui sont les deux formations politiques les plus importantes, soi-disant, de l'échiquier politique aujourd'hui guinéen, et qui sont en fait importantes parce qu'ils ont un nombre de personnes, un effectif, qui n'est lié à aucune approche idéologique, qui n'est lié à aucun projet de société, qui est simplement lié au fait qu'ils sont de la même communauté. Ils parlent la même langue, ils sont des Peuls d'un côté, ils sont des Malinkés de l'autre. C'est ça la réalité. Et c'est ces partis qui, ayant la force dans la... Bon, je ne dirais pas la légalité, mais en tout cas, je ne dirais pas la légitimité, mais en tout cas dans la légalité du système aujourd'hui, ont permis de tordre la main à la loi et de créer une nouvelle loi électorale qui nous interdit de voter directement et de prendre le pouvoir au niveau des citoyens. Ou réduit les capacités des citoyens de prendre ce pouvoir. En réalité, c'est ça le véritable problème. Toutes les questions que Mamadou Diambaldé a présentées aujourd'hui sont des résultantes d'une peur, en fait, de laisser l'expression populaire. Si les partis politiques là n'avaient pas tant de hantises, pourquoi est-ce qu'ils se seraient opposés aux candidats indépendants? Pourquoi est-ce qu'ils se seraient opposés à l'expression la plus libre des citoyens à la base? Le PDG croit en le pouvoir au peuple. Est-ce que quand la Fakonde dit « je prendrai la Guinée ou je prends la Guinée là où c'est que tu l'as laissé », partant de tous ces constats que vous faites, la déprédation des biens publics, cette mort actée de la démocratie à la base, puisque finalement les populations n'éliront pas directement les représentants, les responsables au niveau des districts. Est-ce que tout cela ne pourrait pas amener à penser que Alpha Condé pourrait avoir utiliser cette phrase sous forme de fonds de commerce en direction de certains électeurs? Écoutez, vous êtes en train de me dire, d'interpréter quelque chose que je n'ai pas dit. Le président de la République a fait une déclaration. Elle était solennelle. Je prendrai la Guinée où le président Sékou Touré l'a laissée. Ok ? Il a ensuite dit que les gens le prennent. Il l'interprète comme il veut, mais en réalité, ce que lui, il a voulu dire, c'est que le président Ahmed Sékou Touré a donné l'indépendance économique et politique à la Guinée, et il n'a pas pu donner l'indépendance économique à la Guinée, mais que lui, le président Alpha Condé, vient pour donner l'indépendance économique à la Guinée. Il l'a dit clairement. Alors, moi, je m'en tiens à ça. C'est ce que lui, il a dit. Je dis simplement... Mais la réalité... En ce qui me concerne... De battre en brèche. Oui, en ce qui me concerne. En ce qui concerne le PDG, j'ai dit que cela est très bien. C'est une déclaration d'intention. Mais nous ne sommes pas... Nous sommes en politique. Nous ne déclarons pas seulement des intentions, mais nous faisons des actions afin que des objectifs soient atteints. Et l'objectif de démocratisation, de gouvernance de la nation guinéenne sur des bases démocratiques effectives, c'est-à-dire une démocratie qui permette la participation effective et directe de tous les citoyens, ceci est remis en cause. Et ceci était une avancée du système de gouvernance du PDG. Donc, je dis, là, on n'est pas d'accord. D'accord. Mamadou Diambaldé, peut-être une dernière question sur l'héritage Condé. Avant de passer, bien évidemment, au bilan de l'année 2017 et parler de la gouvernance de manière générale. Est-ce que, M. Touré, il n'y a pas un peu d'amnésie chez ceux qui disent que sous Conté, tout brillait de mille feux, quand on sait que l'industrie même
léguée par la Première République, aujourd'hui n'existe plus. Oui, mais il faut comprendre. C'est ce que j'ai dit. Ceux qui disent ça aujourd'hui sont ceux qui, même en mettant sur le dos du Conte, en tant que personne humaine, non, mais c'est ceux qui disent ça aujourd'hui qui ont été ceux qui ont démantelé la nation, qui ont été ceux qui ont démantelé l'État, qui ont été ceux qui ont démantelé tout ce qu'il y avait, comme, n'est-ce pas, acquis. C'est eux. Alors qu'ils le justifient de cette manière, en embellissant, et au nom du Conte, ils le justifient par rapport à eux-mêmes, même s'ils ne le disent pas. Alors le problème est là. C'est pour ça que je dis qu'il faut cesser de caractériser tout le système par rapport à un individu. Donc pour vous, c'est une logique d'arrière-garde, parce qu'ils veulent eux-mêmes faire lustrer le bilan auquel ils ont contribué à mettre en place. Mais qui ne l'aurait pas fait à leur place? Moi, je crois que c'est normal. Maintenant, à nous, qui n'avons pas participé à cette gabégie, à ces délabrement de la nation, c'est à nous de dire non, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Il y a une autre lecture qu'il faut faire. Et cette lecture-là, la livrer suffisamment pour que les populations guinéennes s'en soient informées et que les populations guinéennes prennent aussi position par rapport à cette lecture qui est différente de celle qu'on veut nous imposer. Et puis il y a un deuxième aspect. C'est que politiquement, aujourd'hui, le pays est polarisé sur des bases ethniques et régionales. On trouve que l'électorat de la basse-côte est un électorat qui peut faire la différence. Parce que, comme je vous ai dit, les deux grands, ils pensent d'ailleurs, dans leur tête, je ne sais même pas d'où vient voilà, c'est ces postulats. Mais ils pensent que c'est eux les plus... Les choyés, c'est les peuples élus. Un sentiment de... C'est les peuples élus. Hein? D'un côté, vous avez les malinqués, je le dis. Et de l'autre, vous avez les peuls. C'est eux qui créent le maximum de division dans la société guinéenne. Ouais, il faut appeler le chat par son nom. Mais bien sûr. Mais sans quoi, on n'en sort pas. Pour soigner un mal, il faut bien qu'il soit diagnostiqué. Et dans ces conditions, il faut que aussi on appelle la tumeur la tumeur. Donc, voilà, ils se mettent là, en cette position. Et donc, ce qu'ils considèrent, de façon d'ailleurs abusive, comme étant des groupes ethniques minoritaires, d'accompagnement politique, en tout cas minoritaires, alors ceux-ci sont courtisés d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'on vous dira, ah non, on ne parle pas mal du président Conte. Ah non, mais le président Conte, personne ne veut parler mal du président Conte. Le PDG ne parle pas mal du président Conte, parce que le PDG reconnaît quelque chose. Le président Conte a été celui, l'acteur politique décisif, qui a préservé la monnaie guinéenne, l'indépendance de la monnaie guinéenne. Quand tous les autres acteurs, regardez vos archives, vous verrez que tous les autres acteurs politiques aujourd'hui présents disaient qu'il fallait rentrer dans la zone CFA. Tous. Mais le président Conte s'y est opposé. Donc pour nous, il est nationaliste de ce point de vue. Le président Conte s'est opposé à ce qu'une base militaire étrangère ne soit établie en Guinée. Aujourd'hui, les tendances sont autres. C'est manifeste. Et il faut le dire. Donc, troisièmement, le président Conte, quand il y a eu l'agression par le sud-est de la Guinée, s'est opposé à ce qu'aucune force MINUSPA, machin, etc., toutes les forces internationales d'opposition de CDAO et tout ça, par qui, n'est-ce pas, toutes les forces internationales intègrent ou rentrent dans les pays et s'incrustent. S'y est opposé. Il a dit que l'armée guinéenne défendra la nation guinéenne et ça a été le fait. Mais partout où les coalitions internationales là, se sont incrustées, elles sont là, elles ne sortent pas et le conflit n'est jamais réglé. Une réalité ou non? Alors donc, nous, pour ces raisons-là, mais c'est des raisons objectives. Ce n'est pas parce que Conte est sous-sous, non.
Nous, de toutes les façons, on n'a pas ce problème parce que Silicero, il est plus sous que Conte. D'accord. Et, chers auditeurs, je rappelle que vous suivez votre émission dominicale à vous de convaincre, qui reçoit ce matin M. Mohamed Touré. Il est le secrétaire général du PDG RDA, fils de feu le président Ahmed Sékou Touré. Alors, M. Touré, on va de ce pas ouvrir le bilan de l'année 2017 qui est à son soir, l'année 2017 qui est à son soir. Est-ce que, si on vous demandait pour vous, quel est l'événement politique qui aura le plus marqué 2017, qu'est-ce que vous nous diriez? L'événement politique qui aura le plus marqué 2017, je ne saurais pointer du doigt un événement particulier. Peut-être le décret du président appelant, convoquant enfin les électeurs aux urnes pour les élections communales. Bon, je ne sais pas si le décret du président peut être un événement majeur, non. Oui, parce qu'enfin, on se dit qu'une date est enfin fixée, on peut y croire. Bon, d'accord. Si c'est de ce point de vue, mais je crois que c'est dans l'ordre normal des choses. Ce qu'il y a de regrettable, c'est qu'aujourd'hui, l'éditorial qui a précédé mon passage le dit clairement, on commence à se poser même des questions et on commence à douter de la validité de cette date-là. Nous, quand on a été reçus en tant que parti politique au niveau de la CENI a dit clairement, techniquement, nous sommes prêts. Mais puisque les élections ne sont pas que techniques, il y a d'autres aspects en jeu. Nous ne pouvons gager de ces aspects-là. En tout cas, techniquement, nous sommes prêts. Et conséquemment, techniquement, la date du 4 février est tenable. Bon. Puisque les autres aspects-là, nous aussi, nous ne pouvons pas gager d'eux. Nous ne les décidons pas. Alors, dans ces conditions, voilà le problème. Bon, c'est pour ça. C'est vrai que aller à des élections au niveau, n'est-ce pas, proche de la base, encore qu'on n'est pas encore complètement à la base, c'est quelque chose. Pour moi, bon, vous savez, hein, c'est dans l'ordre normal des choses. D'ailleurs, ça a trop retardé. Ça a trop retardé. Mais c'est pas, tout ce retard. Oui, mais c'est pas pour ça que ça va être un événement exceptionnel. C'est d'ailleurs pour ça que moi, je ne considère pas que ce soit un événement exceptionnel. Alors, 2017, en termes de bilan, a connu une scène où on nous a exposé, sur le plan économique, plusieurs milliards de dollars que la Guinée devrait empocher pour encaisser dans le cadre de son développement et donc de l'atteinte de ses objectifs, des objectifs du président Alpha Condé, de porter la croissance guinéenne à deux chiffres. Est-ce que vous, de ce point de vue, vous considéreriez 2017 comme étant une année d'embellie économique et financière? Bon, vous avez dit des annonces. D'accord. Tant que c'est au niveau des annonces, d'accord, c'est beau. C'est bon de savoir qu'on a 20 milliards de ce côté, qu'on a un autre 21 milliards de 24 ou 23 côté. Milliards de notre côté. C'est bon de savoir qu'il y a eu ce que les Américains appellent des pledges, c'est-à-dire des engagements à accompagner la Guinée, surtout dans la construction d'infrastructures essentielles à assurer, n'est-ce pas, les services et l'économie en général dans le pays. Les routes, les ponts, les chemins de fer, les ports, etc., etc. Tout ça, c'est des choses qui sont indispensables. Le problème qu'il y a, c'est que, franchement, même si cela arrivait, je ne vois pas encore, sur le plan interne, la capacité d'absorption, en Guinée, la capacité d'absorption de tous ces milliards. Deuxièmement, je ne pense pas
que la manne financière qui viendrait de l'extérieur, par elle seule, peut assurer le développement de la nation. Croissance économique, c'est une chose. Je parle de développement de la nation. Le développement ne peut pas se faire en dehors du Guinéen. Et le développement ne peut pas se faire en dehors de l'ensemble des Guinéens. Le développement d'une nation ne peut se concevoir que par rapport à une conscience sociale. Vous voulez dire que la Guinée pourrait se passer de ces milliards pour compter sur ses propres forces internes? Non. Je ne dis pas que la Guinée... Oui, de toutes les façons, la réalité, c'est que la Guinée peut se passer et compter sur ses propres forces. Ça va être beaucoup plus difficile, ça va être beaucoup plus lent, mais ce n'est pas nécessaire. Donc je ne veux pas dire qu'on n'a pas besoin de ces 20 milliards. Non, loin s'en faut. On en a besoin. Je dis, mais cela doit venir nous trouver ici suffisamment organisés pour les absorber et pour que les retombées soient beaucoup plus avantageuses pour les populations guinéennes que pour ceux qui apportent les 20 milliards. Et si nous avons amené 20 milliards, d'accord, on est d'accord. Et après, ils vont décider sur la base des projets qu'on va leur proposer. Ces projets-là, l'étude de ces projets ne se fait pas en Guinée. C'est des firmes extérieures qui vont venir faire les études et donc payer conséquemment pour faire les études de ces projets-là. On est d'accord? On va proposer ces projets à la partie chinoise. C'est les Chinois, les banques chinoises qui vont décider voilà ce qu'on choisit, voilà ce qu'on choisit, voilà ce qu'on choisit. Et quand on choisit, c'est des sociétés chinoises qui, bon, et ça c'est de bonne guerre, c'est normal, qui viennent, qui investissent. Nous, on dit, comment ils appellent ça maintenant, la partie guinéenne, le contenu local. Contenu local, il n'y a pas plus nébuleux que ça. Que cette notion. Que cette notion. Contenu local, d'accord. Contenu local, ça représente quoi? Et on se défend déjà. Ah, il faut avoir les capacités. Si on n'a pas les capacités, on ne peut pas prendre un ouvrier pour en faire un ingénieur. Mais c'est quoi? Les Guinéens sont capables. Mais faut-il les organiser? Faut-il créer un minimum de conditions? Faut-il mettre en place un système bancaire qui permette aux entrepreneurs guinéens aussi d'avoir, de les diversifier? Sur le plan mini, Tamakené, l'école supérieure des mines de Boké a produit combien de milliers d'ingénieurs dans diverses spécialités? Ceux-ci sont là, enfouis dans l'administration de l'État, en train de croupir jusqu'à la mort, pratiquement. Finissent, ils vont jusqu'à la retraite, ils ne font rien que signer des petits papiers, etc., etc. Pourquoi ne pas leur donner l'occasion, eux, de créer des sociétés qui sont des sociétés, on les appelle comment par rapport aux mines, là, ce qui apporte de services, des sociétés de services des mines. Ils peuvent le faire. Il y a des ingénieurs géologues, il y a des ingénieurs géographes, il y a des ingénieurs... Il y en a à foison. Il y en a à foison. Alors, mais pourquoi l'État guinéen ne créerait pas une banque qui soutienne ce genre d'initiative? D'abord, les incite à le faire, et ensuite soutiennent ce genre d'initiative. Parce qu'ils feront le travail pour que quand les grandes firmes vont venir, ils ont besoin de ça de toutes les façons. Ils ont besoin de répertorier le sol, ils ont besoin d'avoir une cartographie nette, ils ont besoin d'avoir des ressources, on appelle ça des ressources par rapport à une zone minière donnée, déterminée par exemple, etc., etc., etc. Ça, c'est dans le domaine des mines. Mais ça ne finit pas. Donc, nous avons les capacités humaines. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut se mettre dans cette logique-là. Si on dit, d'accord, on veut qu'on ait un secteur privé qui soit conséquent et qui se développe, mais dans ces conditions, créons ce secteur privé-là. Créons les conditions pour que ce secteur privé effectif soit. Mais que ce secteur privé ne soit pas le reflet de monsieur le ministre
qui donne des crédits à son cousin ou à sa petite amie pour que, n'est-ce pas, elle fasse un marché, deux marchés, trois marchés de l'État, et que, par rapport à cela, n'est-ce pas, un petit argent se fasse. Non. Justement. Vous voyez, en Guinée, on est riche. Il est riche parce qu'il est ministre. Ou parce qu'il est le frère du ministre, ou parce qu'il est l'ami du ministre. Le jour qu'il cesse, son ami cesse d'être ministre, il cesse d'être riche automatiquement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la richesse est concentrée au niveau de l'État. Il ne faut pas le craindre, il faut le dire. Si on veut créer une classe moyenne guinéenne, il n'y a rien. Il n'y a pas de gêne à ça. Mais dans ces conditions, il faut que cela se fasse sur des bases d'équité. Que ceux qui travaillent à compétences égales, revenus et services égaux par rapport à l'État. Et que cet État pléthorique qu'on a, par exemple, c'est des réformes qu'il faut engager. Mais de façon frontale, il faut le faire pour évoluer. On ne peut pas le faire à demi-demi. Que les effectifs pléthoriques que nous avons dans notre administration, qui ne servent à rien, les gens vont le matin, ils pointent, ils s'en vont le soir, ils n'attendent même pas le soir. Personne ne travaille. Monsieur Touré, la Guinée compte simplement sur ses mines dont elle regorge, alors que le secteur agricole aujourd'hui s'émeut. Qu'est-ce que vous recommandez, vous, en tant que produit de la Première République, où il y avait les FAPA, les diplômés produisaient, pour que la Guinée puisse parvenir à l'autosuffisance alimentaire? Oui, mais il faut remettre tout ça, il faut avoir le courage de remettre tout ça sur la table, mais ne pas le faire de façon sectaire, c'est-à-dire limitative. Il faut que tout le monde y participe. Il faut que nous ayons par nous-mêmes des solutions pour nous-mêmes. Les FAPA, vous l'avez dit, c'était quelque chose d'extraordinaire. C'est l'État qui détient le capital en Guinée et dans la plupart des pays comme nous d'ailleurs. L'État dit, d'accord, nous formons la paysannerie guinéenne. Nous la sortons de l'État dans lequel elle est aujourd'hui pour en faire des ingénieurs, agronomes, pédologues, aménagistes, zootechniciens, je ne sais pas quoi encore, vétérinaires, docteurs vétérinaires, etc., etc., par milliers. Parce que c'est là où, non seulement la production est possible, et c'est là où l'absorption de la main-d'œuvre est possible. Donc, évidemment, sur un plan de la planification, on dit, voilà, il faut orienter, il faut mettre des facultés qu'on décentralise et qu'on délocalise, d'ailleurs, dans les différentes régions, pour que les cadres guinéens qui sortent des fermes soient des fermiers modernes. Ensuite, l'État dit, on donne la terre, on prête la terre, parce qu'à l'époque, la terre n'était acquise pour personne, c'était la propriété de la nation, de l'État, et elle était à la disposition de qui la mettait en valeur. Donc, on attribue des terres à ces jeunes qui se forment en coopérative. On leur donne un fonds de roulement, on leur donne un certain équipement, on leur donne des semences, on leur donne tous les intrants pour qu'ils commencent à produire. Condition que tout ce qui a été avancé par l'État soit remboursé à terme. Et après, ils prennent leur autonomie en tant que producteurs. C'était l'esprit des FAPA. Cet esprit-là, on ne peut pas le remettre en état. On ne peut pas le remettre en place. Ça résout tellement de problèmes à la fois. Les campagnes agricoles que l'on annonce à chaque saison hivernale en Guinée, ne s'inscrirait pas dans cette logique. Puisqu'on apporte des semences et des engrais aux paysans. Non. Bon, enfin, non. Non, parce que l'organisation de la paysannerie n'est pas la même. Elle n'est pas la même. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'affairisme dans ce qui se passe. On
On a beau annoncer les campagnes, les engrais viennent. La dernière fois, d'ailleurs, c'était des engrais périmés qui sont tombés l'année dernière. Ça a créé tout un problème. Mais c'est des questions, c'est de l'affairisme. Les gens cherchent de l'argent par tous les moyens possibles. Et la seule manière d'avoir de l'argent dans nos pays, encore une fois, c'est en arnaquant l'État. D'accord. Mamadi Diambalé. Aujourd'hui, on assiste à un changement de ton de votre part à l'endroit du pouvoir et que vous ne ménagez plus. Alors que vous avez été, dans un passé récent, l'un des soutiens au président Alpha Condé. Qu'est-ce qui expliquerait cela, M. Touré? Non, ce n'est pas M. Touré. Là, c'est le PDG est un parti. Je veux parler du PDG, RDA. Oui. Donc je dis, ce n'est pas M. Touré. M. Touré n'est que le représentant et le porte-parole du PDG. Le PDG est un parti qui suit essentiellement la sensibilité du peuple de Guinée. Et c'est là où nous sentons le peuple aller, c'est là où nous voyons l'expression du peuple que nous disons, que nous agissons. Nous n'avons pas cessé d'être de la mouvance. Encore une fois, nous disons, nous sommes de la mouvance. Mais c'est dans la logique et dans la croyance que même au sein de cette mouvance-là, la démocratie est permise. Et qu'au sein de cette mouvance-là, quand on constate quelque chose qui n'est pas, qui ne soit pas par rapport au postulat du PDG, par rapport à la morale politique du PDG, par rapport à la vision et à la doctrine du PDG, ben, nous le disons et nous le dénonçons. C'est peut-être ce qui se passe. Et nous continuerons à être ce que nous sommes, l'instrument du peuple de Guinée pour son émancipation totale. Mais est-ce que aujourd'hui, vous qui avez vu le président Alpha Condé se battre sur le terrain politique, est-ce que vous vous attendiez qu'en 2017, décembre 2017, qu'on en soit à regretter certaines défaillances que vous avez décrites justement à l'entame de cette émission? Bon. Vous vous attendiez peut-être à mieux de la part Alpha Condé? Forcément. Et cela a motivé notre engagement, le premier. Et le problème, c'est que nous voulons... Non, l'engagement n'est pas pris par rapport à M. Alpha Condé. Encore une fois, les individus, les personnes ne nous regardent pas. Les tendances sont importantes. La nation guinéenne, le peuple de Guinée, est important à nos yeux. Les systèmes qui permettent l'aboutissement de politiques données avec des objectifs et des visions claires, ça nous importe. Les personnes, franchement, non. Alors donc, nous ne suivons pas Alpha Condé. Nous suivons le PDG. Nous suivons le peuple de Guinée. Donc, c'est très clair de ce point de vue. Et comme vous dites, c'est vrai. Et ce n'est pas seulement nous, le PDG, qui restons sur notre faim. Des abusés. Il n'y a qu'à se promener dans le pays. Il n'y a qu'à se promener dans le pays. Si aujourd'hui, par exemple, aux élections communales, il y a des problèmes, parce qu'on dit, si vous n'êtes pas de l'UFDG, vous êtes contre l'UFDG, ou bien si vous n'êtes pas du RPG, vous êtes contre le RPG, ça veut dire quelque part que c'est tout. Claire manifestation d'échec quelque part de leur part. Si les populations à la base les frondent, alors qu'eux, ils doivent être l'expression la plus accomplie de ces populations-là. Alors donc, ce n'est pas le PDG seulement qui est désabusé, c'est un état d'esprit qui caractérise la nation guinéenne aujourd'hui. Et c'est à mieux. D'accord. Mais par rapport au PDG RDA, beaucoup ont vu Alpha Condé fouler l'arène politique guinéenne
en ayant, selon eux, pour réservoir de partisans, de militants, les viviers même du PDG RDA. Donc pour beaucoup, Alpha, la soudaine popularité qu'il a eue en entrant en politique en Guinée n'aurait pas été s'il n'avait pas siphonné dans le vivier électoral du PDG. Est-ce que, de ce point de vue, vous pensez aujourd'hui que vous avez davantage de raisons d'être dessus du système que Alpha Condé dirige aujourd'hui? Bon, écoutez, moi, je ne suis pas déçu. Je ne veux pas être déçu. Je suis dans un combat de réhabilitation de la nation guinéenne, et je ne pense pas en termes de déception. Ce qui est sûr, c'est que c'est vrai que le président Alpha Condé, à l'époque opposant, quand il a déclaré s'opposer ouvertement au régime militaire, parce que, attention, au départ, il n'était pas opposé. Il a été conseiller, il avait un passeport diplomatique, il a fait des missions pour la junte militaire, démocrate. Mais enfin, et quand il a décidé de rentrer dans l'opposition totale contre le régime du CMRN à l'époque, il s'est basé sur des militants PDG. Avant de rentrer en Guinée, de la Côte d'Ivoire, il y avait là des cadres du parti, dont un de nos doyens chers, Elhadj Ibrahima Fofana, qui vit encore et qui a été ministre de l'élevage sous la Première République, dont mon grand frère Galema Guilavogui, dont Sekou Kaba, qui a été ambassadeur à Moscou, entre autres, qui était à Abidjan, et même le vieux Damantan, en exil. Camara, oui, exil, enfin, en tout cas, il cherchait à vivre, parce que ici c'était compliqué. Donc, le vieux Damantan, Camara, etc. Le père de l'actuel Voilà des gens qui ont été approchés et qui ont aidé, effectivement. En donnant des adresses précises, en disant allez là, je crois qu'au sein du mouvement politique du professeur Alpha Condé, il y a même eu des dissensions parce qu'il y a des gens qui étaient là-dedans qui ont dit non, on ne peut pas faire avec le PDG. Lui, il a eu le tact politique, il faut le reconnaître, c'est son tact politique, de dire non, on va aller quand même avec ces gens-là. Et c'est vrai que c'est comme ça qu'il s'est... Mais il l'a dit, lui-même, il l'a reconnu quand il est venu signer au siège du PDG l'accord qui nous lie. Et que nous n'avons pas encore dénoncé ni d'un côté ni de l'autre. Cet accord qui nous lie là, le jour qu'il l'a signé au siège du PDG, avant que nous ne rentrions dans la coalition pour le faire élire comme président la première fois. 2010. Voilà, entre les deux tours de 2010, ben il l'a dit, il l'a reconnu, que lui, il a fait le choix d'aller avec les militants du PDG. Alors, c'est une réalité. Et c'est pour ça qu'il a réussi. Et c'est pour Est-ce qu'il vous le rend bien aujourd'hui? Écoutez, à vous, PDG. Nous ne cherchons pas de rente. Nous voulons la reconnaissance que du peuple de Guinée. Et la reconnaissance du peuple de Guinée, ce n'est pas en faisant une course assidue à Alpha Condé qu'on va l'avoir, c'est en travaillant et que le peuple de Guinée identifie ce que nous faisons à son compte. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Donc, nous ne nous attendons pas à des rentes politiques. C'est-à-dire, on n'a pas soutenu Alpha Condé pour avoir un poste. On n'a pas soutenu Alpha Condé pour avoir de l'argent. Mais, heureusement que lui, il le sait mieux que quiconque. D'accord. Mais peut-être, Mamadou Dia, avant de continuer à cette nouvelle qui est tombée ce matin, concernant la démission de M. Lancé Konaté, un ancien du PDG RDA qui a viré, selon le site Mosaïque Guinée, vers le PEDN de Lansana Kouyaté. Vous avez dû apprendre ça, monsieur Touré. Il a démissionné d'où?
qu'il était du bureau politique national du PDG. Non, mais là, je voulais faire le bus. Il n'est pas du bureau politique il y a très longtemps. Alors, il démissionne de quoi? De lui-même? C'est des histoires. On fait toujours ça. On crée toujours des petits trucs comme ça. Et c'est toujours sur, à partir de Paris que des histoires se passent. Donc, le démenti est cinglant. Il n'est pas du bureau politique du PDG. Mais il y a longtemps que l'ancien Konaté n'est pas du bureau politique. Il s'est démonté lui-même. À l'époque, il a été membre du groupe, avant d'aller, maintenant il est au PDN, mais avant ça, il avait été membre d'un certain groupe, là, je ne sais pas quoi. Voilà, toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec le PDG. Alpha doit partir maintenant. Écoutez, ça, c'est, je vous ai dit, ce n'est pas quelque chose qui concerne la direction nationale du PDG, et il faut éliminer ça, C'est un non-événement. Absolument un non-événement. Et justement, peut-être, est-ce que vous comprenez un peu cette forte tendance à la transhumance politique dans le paysage qu'il est? Est-ce que pour vous, cela est parfois le fait de personnes qui développent une sorte de politique du type digestif, qui ne cherche qu'à gagner de quoi vivre au sein des différentes formations politiques. Et donc, cela les pousse à des pérégrinations constantes d'une formation politique à une autre. C'est vrai, d'une part. D'une part, c'est dû au fait qu'il y a des gens qui, très intelligents, ont compris que le système fonctionne comme ça. Mais ce n'est pas eux la cause de ces pérégrinations. La cause de ces pérégrinations, c'est les politiques eux-mêmes. Qui crée cette ambiance de corruption, qui achète tout le monde, ou qui tente d'acheter tout le monde. Donc c'est eux les véritables problèmes. Le système politique aujourd'hui, comme il est fondé là-dessus. Et regardez, vous avez le parti au pouvoir, hein, c'est le RPG, à sa tête, le président de la République, qui est aussi le président du RPG, d'ailleurs, ça n'a jamais changé. Plutôt le RPG arc-en-ciel. Oui, le RPG arc-en-ciel. Vous n'avez pas vu, il n'y a pas de RPG arc-en-ciel. Non, le RPG arc-en-ciel, je vous le concède. Je vous le concède. Je le dis comme ça, je pensais que vous l'auriez accepté comme étant le RPG arc-en-ciel. Bon. Le RPG arc-en-ciel, aujourd'hui, c'est très simple. Nous avons clamé et nous assumons la phase du parti État comme phase évolutive dans ce que nous avions comme modèle démocratique pour la nation guinéenne. Ça a été suffisamment expliqué, mis sur papier. Il y a eu des ouvrages qui sont sortis là-dessus. Aujourd'hui, le RPG arc-en-ciel, ce n'est pas le parti État, mais c'est l'État parti. Ils sont partis de l'État pour consolider les bases de ce parti-là et le renforcer. Donc, c'est différent. Mais en tant qu'État-parti, les ressources qu'ils ont sont infinies. Elles sont égales à celles de l'État. À côté de ça, on crée une institution qu'on calque certainement sur d'autres pays qui ont des modèles démocratiques identiques aux nôtres parce que fait pour justement bloquer les capacités de gérer des populations, leur pouvoir. On crée le poste de chef de file de l'opposition, auquel on donne de nos francs, nous contribuables guinéens, 500 millions de francs guinéens par mois. Pourquoi? Mais ça ne suffit pas. La logique continue. Puisqu'on crée aussi le haut représentant du chef de l'État, un autre poste, juteux, avec tous les avantages, garde-corps, chauffeur, en livrée, voiture 4x4, et puis certainement une enveloppe conséquente. Mais pourquoi? Parce qu'il représente quoi? Et les autres partis politiques, ils ne représentent rien? Le système est fait pour entretenir la corruption.
Donc, quand vous parlez de pérégrination, c'est vrai. Il y a les plus malins qui, en bas, là, de l'échelle, comprennent que pour gagner, il faut aller là, là. Même quand vous allez dans les quartiers, il y a des jeunes qui disent, vous voyez, ils ont tous les t-shirts de tous les partis. Ils les endossent tous. Parce que c'est comme ça qu'ils arrivent à vivre. Quand il y a des échéances électorales, quand on arrive à l'approche des élections, tout le monde reçoit riz, on reçoit huile, on reçoit sucre, on reçoit de l'argent. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi ? Nous ne faisons pas ça. D'abord parce que nous n'avons pas. Et même si nous avions suffisamment de ressources, nous allons les mettre peut-être dans le cadre de l'École nationale des cadres du parti pour former les cadres guinéens afin que, justement, ils dépassent cet état de mendicité dans lequel on les oblige d'être. Donc c'est vrai, s'il y en a qui font, c'est une partie, c'est le revers de la médaille. Mais en réalité, la cause du problème, c'est le système lui-même qui est entretenu. Malik Sankon qui a commencé à distribuer le directeur général de la caisse, des sonos dans les différents quartiers de Conakry. Voilà. Récemment, à la fait des passages, il a vu un groupe de jeunes qui était assis. Et il a acheté la sono et il y a le thé maintenant qui est... Qui bouillonne. Hein. Alors, monsieur Touré, vous disiez que vous ne vous attendiez pas à de récompenses rentières de la part du président Alpha Condé. En fait, ça nous amène à cette indignation qui a été celle du PDG lorsque des dates aussi importantes que, par exemple, le 22 novembre, n'ont pas connu la dimension de commémoration qu'on aurait pu leur attribuer. Peut-être que vous ne vous attendez pas à ce qu'on vous donne des postes, à ce que on vous accorde des faveurs, mais que pour ce qui relève de la mémoire qui renvoie un peu à la période où votre père gérait le pays, peut-être que vous en attendez quelque chose du régime. Non. Je vous remercie. D'abord, premièrement, nous ne nous attendons pas justement à des gratifications rentières, ce qui ne veut pas dire que nous ne voulons pas participer à la gestion de la nation, parce que le protocole d'accord qui nous lie est très clair. On aide à ce qu'on accède au pouvoir, et quand vous accédez au pouvoir, la gestion de la nation est faite ensemble. Et cette gestion ne peut pas se faire sans notre implication directe dans la gestion, c'est-à-dire nommer des cadres du PDG à des postes décisionnels qui puissent permettre de manifester et de matérialiser, de concrétiser la vision que nous avons de la nation humaine. Ceci, nous n'y renonçons pas. Ça pourrait peut-être même expliquer votre part de déception, puisque cet accord n'a pas été respecté oui, mais de fond en comble. Vous savez, aucun accord n'a été respecté. L'accord premier qui lie au peuple de Guinée, lui-même, il n'est pas respecté. À la plus forte raison, le nôtre. J'en passe. En ce qui concerne la célébration de notre histoire, c'est notre histoire. C'est notre vécu. C'est une réalité. Le peuple de Guinée a, dans son combat noble, engagé et total pour la libération de l'Afrique, a subi les courroux des forces impérialistes et des forces coloniales. À l'époque, le colonialisme fasciste portugais, qui, puisque vous avez parlé du 22 novembre, au-delà du 22 novembre, le 2 octobre, on ne sait pas quand est-ce qu'il sera célébré encore, on a reporté à décembre. Mais parlons du 22 novembre. C'est vrai. Nous avons organisé, par exemple, une fois, les festivités du 22 novembre, au monument du 22 novembre, mis en place avec les invitations, carton d'invitation partagées à toutes les institutions, à toutes les ambassades, à toutes les grandes chancelleries. Pour que le lendemain, quand nos militants commencent à venir pour se mobiliser, on trouve... pas l'enceinte du palais du peuple, hein, pas le palais lui-même, je vous ai dit, sur l'esplanade là-bas, sous le monument. Les portails du palais du peuple cadenassés
pour empêcher à nos militants d'aller manifester. On n'a pas demandé à ce que l'État le fasse. Mais nous, en tant que parti politique, nous reconnaissons cette histoire de notre peuple et nous voulons la magnifier. Mais puisque le PDG est un parti discipliné, puisque le PDG ne lance pas les cailloux, puisque le PDG ne veut pas barricader les routes, nous avons déplacé notre manifestation au siège du parti, ce qui a été extrêmement coûteux pour nous, mais nous l'avons fait. À Koléa. Non, à Donka. La cité Donka, la cité de Donka. Notre siège, la permanence nationale du PDG est à la cité ministérielle. Donc nous l'avons déménagé. C'est une réalité. Mais tout ce qui a trait à l'histoire de notre peuple est remis au calendrier grec. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on nous veut? On veut qu'on s'élimine, qu'on s'inhile en tant que nation. Une nation qui a porté haut l'Afrique. Un peuple qui, par son sacrifice, a libéré tous les autres peuples d'Afrique. C'est un peu exagéré. Et ça, nous disons non. Et de la manière la plus ferme qui soit. Bon, Régent Baldé. On va rouvrir la parenthèse électorale pour demander au leader du PDG-RDA si son parti sera dans la course pour les communales qui s'annoncent à grands pas. Oui. Le PDG sera de la bataille. Le PDG sera de la bataille et heureusement, il sera représenté dans toutes les régions ou presque toutes les régions administratives de la nation. Au niveau soit de communes urbaines, soit de communes rurales. Tout de suite, vous parliez des problèmes de dépôt de liste. Nous avons rencontré toutes sortes de difficultés, mais nous nous sommes arrangés à ce que, quand même, nos listes soient déposées et dans les délais. Il est vrai que nous avons profité du décalage qui a été donné pour, dans certaines localités ou circonscriptions, raffiner un peu plus le travail que nous avions fait. Mais oui, nous serons de la bataille. Nous serons de la bataille à Mali-Yemberin. Nous serons de la bataille à Sigrin, nous serons de la bataille à Massanta, à Bela, à Boké, à Bofa, à Conakry ici même. Nous sommes de la bataille. À Conakry, nous avons une liste électorale que nous présentons au niveau de la commune de Matoto, qui est dirigée par un jeune diplomatif sans emploi. À Kaloum aussi. Non, à Kaloum, le PDG ne le présente pas. Le PDG a... Non, à Kaloum, j'ai ma sœur, voilà, ma grande sœur, Madame Kamara Aminata Touré, qui défend des couleurs indépendantes. Il ne faut pas confondre. En alliance avec le GPT de Kassori Fofana. Bon, les alliances qu'une liste indépendante fait, elle l'a fait. En tant que liste indépendante, je dis que c'est ma sœur et en tant que sœur, je la soutiens à fond. Mais elle, encore une fois, c'est une liste indépendante. Mais pourquoi chacun est libre d'appartenir au parti de son choix, mais certains s'interrogeraient pourquoi le PDG n'aurait pas présenté la candidature de votre sœur à Kaloum, par exemple. Le PDG a ses approches et le PDG est libre de choisir ses méthodes. Je crois que... Est-ce qu'il y a un divorce idéologique entre le parti et votre sœur? Est-ce que cette idéologie que vous entretenez encore, que vous essayez de raviver à travers la présence du PDG encore sur le terrain politique serait différente cette À ce que je sache, non. Les approches politiques et les approches idéologiques sont différentes. Tout à fait. Voilà. Les approches politiques et la réalité idéologique, c'est deux champs différents. Tout à fait. Donc, je dis encore une fois qu'à Kaloum, c'est ma grande sœur, Hadia Aminata Touré, Madame Kamara Maxime, qui est tête de liste d'une liste indépendante. Et cette liste. Personnellement, Mohamed Touré,
je dis Mohamed Touré, citoyen Mohamed Touré, par le secrétaire général du PDG, soutient la liste de sa sœur à Kaloum. Et donc, le PDG qui est un allié, parce que vous n'avez pas encore dénoncé l'accord qui vous lie au RPG, soutiendrait, par exemple, le candidat du RPG à Kaloum? Non. Pas du tout. Donc, le PDG n'est pas... Non, il n'y a pas d'accord électoraux entre le PDG et le RPG. Nous sommes des alliés, généralement. Mais par rapport à ces élections spécifiques, il n'y a pas eu d'accord électoraux. Vous n'en êtes pas demandeur ou bien? Non, nous n'en sommes pas demandeurs. Le RPG est venu vers nous. Je vous fais la confidence que le RPG est venu, il a fait une démarche pour venir vers nous. Et il semble que ce soit une élection à deux tours, et que le premier tour, chacun aille un peu comme il veut. Au deuxième tour, là, on réunisse les forces. Nous leur avons dit, écoutez, si on doit faire une élection, ce n'est pas au deuxième tour. Si on doit faire une alliance, on doit savoir, dès le premier tour, comment les jeux sont, pour qu'au deuxième tour, on aboutisse à quelque chose. Allez-y réfléchir et revenez. Ils sont partis, ils ne sont pas revenus encore. Il n'y a pas d'accord électoraux pour les communales entre le PDG et le RPG. Mais M. Touré, je rappelle, chers auditeurs, que vous suivez votre... Et ceci, je dois le dire avec une précision de plus, parce que nous obéissons à nos militants. D'accord. Nous obéissons à notre base. C'est ça, notre raison d'être. Et notre base nous dit qu'il n'est pas question, je dis bien qu'il n'est pas question, que nous allions avec le RPG pour ces élections. Donc, le message est très clair. D'accord. Chers auditeurs, je rappelle que vous suivez votre émission dominicale, à vous de convaincre, qui reçoit ce matin M. Mohamed Touré, il est le secrétaire général du PDG RDA. Alors, M. Touré, vous avez dit que le RPG présenterait des candidats, le PDG présenterait des candidats à Mali, à Sigiri, à Massanta. Quels sont les critères sur la base desquelles vous candidatez ici et là à travers les zones que vous avez annoncées là? Les critères, c'est les bases. C'est les bases militantes qui nous remontent les informations. Nous fonctionnons par rapport à ce que nous recevons de nos bases. Les listes sont élaborées par rapport... Parce que nous sommes structurés, nous sommes un parti décentralisé, structuré. Au niveau des différentes fédérations, les informations nous remontent. Ils disent, bon, on va faire, parce qu'on a cette mobilisation. On envoie des inspecteurs qui vont sur le terrain, qui se rendent compte de l'effectivité de ces choses-là. Et comme c'est comment, les choix sont faits. Et en fonction de nos capacités et de nos possibilités, parce qu'il ne faut pas oublier que, comme le disait tantôt Mamadou Diambaldé, il faut être richissime pour affronter ces élections-là. Alors donc, en fonction des capacités du parti, en fonction de tout ce que nous pouvons avoir comme apport, soit des militants, soit des sympathisants, soit de tous les apports qui sont, on arrive à concrétiser ces listes-là, à les mettre en place et à assumer donc les campagnes respectives par rapport aux listes que nous présentons. Mamadou Diambaldé. Nous allons parler de réconciliation nationale talibée. Le président Alpha Condé a créé une commission provisoire de réconciliation nationale pilotée par deux chefs religieux. Est-ce que monsieur Touré, le leader du PDG, pense que c'est la démarche appropriée pour réunir, réconcilier les Guinéens? Au visa, notamment, du rapport que cette commission a rendu et qui, voilà, a laissé bien les Guinéens perplexes. Bon. cette histoire de... Bon. Réconciliation. D'abord, premièrement, il faut accepter que le peuple de Guinée n'a pas connu de fracture sociale grave, à l'instar des autres pays où des commissions de réconciliation de ce genre ont été mises en place et qui ont exercé
de façon à ce que des rapprochements soient faits. Dans tous ces pays-là, la plupart du temps, il y a eu des conflits armés qui ont opposé des groupes sociaux et il y a eu beaucoup de violences, de morts et de destruction. La Guinée, ce n'est pas le cas. La Guinée est une nation que malheureusement on est en train, par tous les moyens, de vouloir briser et casser. Mais la Guinée est une nation. La Guinée est une nation qui, en 84, sous le magistère du PDG RBA, les élus étaient à Kissidou, qui n'étaient pas originaires de Kissidou. Des élus du secrétaire fédéral, qui était la première personnalité politique de la préfecture à Kissidou, n'était pas un ressortissant de Kissidou. C'était un cadre qui était venu, qui avait travaillé, mais les populations se sont attachées à lui parce qu'il incarnait des valeurs qu'il partageait, qu'elles partageaient. Elles ont élu. Et partout en Guinée, c'était comme ça. Nous avions une nation forte, unie, où on ne s'identifiait pas par rapport au patronyme, où on ne s'identifiait pas par rapport à d'où on était né, où on ne s'identifiait pas par rapport à la région ou à la langue. Donc, de fait de réconciliation, d'accord, le concept est accepté généralement. Mais il faut savoir qu'est-ce qu'on réconcilie. Il faut savoir qui on réconcilie. Il faut savoir pourquoi on réconcilie. Et comment ? Cette commission, elle a fait un travail. Ça aboutit à quoi ? Aujourd'hui, en réalité, je vous regarde, M. Talibi. Dites-moi, en toute conscience, qu'est-ce que le travail de cette commission-là a rapporté à la nation, après tant de milliards? Il faut être décisif. L'État doit participer par des actions concrètes. Il y a conflit à Kissidou ou à Guéquédou. Vous verrez que ceux qui sont choisis par l'État pour aller résoudre les conflits là-bas, tous les noms finissent par nous. Tengiano, Minimuno, machin, etc., etc. Ça ressemble à quoi? C'est quelle nation, ça? À Boké, les populations se soulèvent. C'est le général Mathurin qui a beaucoup de capacités, un homme que j'admire énormément, d'ailleurs, parce qu'au moins, il laisse des traces dans ce grand mélo de budgétivore. Au moins, lui, on voit des aménagements qu'il laisse. Peut-être qu'on lui aurait laissé un peu plus de liberté, qu'il aurait rendu la vie plus correcte aux populations de Conakry. On l'envoie avec un monsieur, un grand frère à nous, américain. L'ancien gouverneur. Les populations les chassent. Pourtant, ils sont les frères de Boké. Ils sont natifs de Boké. On les chasse jusqu'à ce que l'américain qui est cardiaque en trouve la mort. Alors, je dis, on a cessé de mettre des commissions provisoires, de machin, etc., etc. Il faut être engagé, il faut savoir. Nous sommes des politiques, nous engageons des actions politiques vers l'unité nationale. C'est de ça qu'on a besoin. On a besoin d'élever le niveau de vie des Guinéens. On a besoin que les Guinéens travaillent, tous. On a besoin que le bien-être soit partagé. Pour vous, si la fracture économique est comblée, les Guinéens peuvent bien se passer d'un mécanisme de réconciliation nationale. Mais il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème entre les Guinéens. Aucun. Écoutez, le 0,5% de la population guinéenne qui bénéficie de tous les revenus du pays, ils sont malinqués, ils sont peul, ils sont soussou, ils sont Thomas, ils sont Guerzé, ils sont Kissien. 99,5% de la population. Donc dans ce demi-pourcent, il n'y a pas d'ethnie. Entre ce demi-pourcent, on croyez, ne voit pas les frontières. Vous croyez qu'il y a des frontières ethniques à ce niveau-là? Non. Ils se partagent le butin. Les 99,5% de la population qui croupissent dans la misère, la bonne femme, c'est l'exemple que je donne souvent, qui se lève à 3h du matin, 4h du matin, fait rapidement des galettes, court pour aller emprunter le Magbana, le premier Magbana, aller à chose, au marché de Madina. Elle vient de Simon Bossia là-bas.
elle vient, elle vend ses galettes pour avoir un petit quelque chose pour aller préparer rapidement pour ses enfants. Celle-là, elle est soussou, elle est malinquée, elle est guerzée, elle est peul, elle est tout. Elle est guinéenne. Elle est guinéenne. Alors il ne faut pas qu'on nous fatigue avec des notions qui ne nous amènent qu'en retard. Nous devons aller de l'avant. Le président Alpha Condé a dit qu'il prend la Guinée où le président Ahmed Sékou Touré l'a laissée. Eh bien, la Guinée que le président Ahmed Sékou Touré a laissée n'était pas une Guinée qui était sectaire. N'était pas une Guinée de Peul, de Malinké, de Fula, de Guerzé, de Kissien, de Landouma, etc., etc. C'était une Guinée d'Africains. Une Guinée d'Africains. Dans le rapport que cette commission a présenté, elle suggérait, cette commission, que le 28 septembre soit désormais érigé en une journée de prière et de recueillement à la mémoire, notamment, en référence notamment à la journée noire du 28 septembre 2009. Il a fallu qu'elle soit noire. Ce beau jour de libération de l'Afrique, il a fallu qu'il soit noir. Parce que des gens y ont travaillé, c'est pourquoi vous dites qu'il a fallu qu'elle soit noire. Oui, cette mais journée. C'est pas parce que des gens y ont. Mais qui est contre une journée de recueillement et de prière? Qui peut être contre ça? Pour des âmes guinéennes, toutes les âmes guinéennes d'ailleurs. Toutes, sans exception. Mais quand on sait que le 28 septembre, quand même, c'est ce jour. Le 28 septembre est sacré. On ne peut pas le désacraliser. Le 28 septembre, c'est le jour où le peuple de Guinée, unanimement, a pris son bulletin de vote démocratiquement pour aller dire « J'en ai assez d'être l'esclave. Je veux être libéré. » Rien ne peut venir entacher cette date-là. Rien. Maintenant, qu'on fasse ailleurs une autre date qu'on choisit par consensus pour faire. Parce qu'il n'y a pas eu que le 28 où il y a eu des massacres. En Guinée, il y a eu des morts. Dans l'évolution historique de la nation, de la jeune nation guinéenne. Alors, choisissons une autre date pour venir nous recueillir et faire les prières pour nos morts et pour tous nos morts. On est d'accord avec cette idée. Mais le 28 septembre est sacré. Il est sacré pour la Guinée, il est sacré pour l'Afrique, il est sacré pour l'humanité. C'est la seule fois où, par référendum, un peuple s'est libéré de façon démocratique. Pourquoi est-ce qu'on veut entacher ça? Non, c'est un jour de gloire. C'est un jour de gloire pour la nation guinéenne, c'est un jour de gloire pour le peuple de Guinée. Mamadou Diambalé, on est pris par le temps. Peut-être la dernière question à notre invité. À l'international, la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël par les États-Unis a provoqué une levée des boucliers dans le monde musulman. Quel regard portez-vous sur cette décision émanant de Donald Trump? Bon, je crois que c'est le monde entier qui a réagi. Cette décision-là. Mais surtout vous, pas, dont le père était si je ne sais pas si dans la résolution de ce conflit. Le conflit israélien, palestinien, israélien. Je ne sais pas si. Il faut rappeler que la Guinée abrite une ambassade palestinienne depuis plus de 30 ans. Oui, il y avait des actions agricoles de la Palestine ici. On a, de toutes les façons, c'est un peuple frère. Ce qui ne veut pas dire que le peuple d'Israël n'est pas un peuple ami. C'est tous des peuples vraiment que la Guinée, au début de l'indépendance, il faut reconnaître qu'Israël était très impliqué dans le développement économique de la Guinée. L'école de l'ENAM a été construite par exemple par la coopération. Ils étaient israéliennes et ils étaient prêts à s'impliquer énormément sur le plan agricole, par exemple en Guinée. Le problème, c'est qu'ils ont attaqué l'Afrique. Et quand ils ont attaqué et occupé une partie de l'Afrique, la Guinée, comme d'ailleurs la plupart des pays africains, a pris fait cause pour l'Afrique. La guerre des six jours. Exactement. Ceci dit, la lecture que nous faisons de cette histoire de reconnaissance par le président américain de Jérusalem comme la capitale d'Israël coïncide étrangement à
des affaires américano-américaines, où je crois que l'ONU se resserrait un peu sur l'administration Trump et que les relations avec la Russie, etc., commençaient à être quelque chose de difficile. Alors, est-ce que c'est une manœuvre de distraction, dilatoire ? Mais si c'est le cas, les effets et les répercussions sont trop importants pour que ce soit aussi banalement traité. J'ai beaucoup de respect pour les États-Unis, puisque les États-Unis fonctionnent sur la base d'institutions, et je crois encore que malgré cette... Il faut rappeler d'ailleurs que M. Touré y a longtemps vécu. Je dis que malgré ce que je considérerais comme une sorte d'humeur de la part du président de la République américaine, de cette volonté de pouvoir détourner l'attention de ce qui a le plus pressant et qui l'accule le plus, peut-être que, n'est-ce pas, les institutions américaines reviendront sérieusement pour recadrer la politique étrangère américaine, parce que, de toutes les façons, c'est pratiquement l'humanité qui s'est opposée à cette décision. Chers auditeurs, vous l'avez compris, on est donc à la ligne d'arrivée de cette émission à vous de convaincre. C'est un bonheur de recevoir ce matin le secrétaire général du PDG-RDA, M. Mohamed Touré. M. Touré, merci d'être venu. C'est à moi de vous remercier, comme toujours. Merci beaucoup. Et il y avait ici à la technique l'impératrice des studios de City FM, Kadiatou Fofana, à co-animer cette émission avec moi, Mamadou Diambalé, directeur de publication du groupe L'Indépendant, le Démocrate. Cette émission vous sera rediffusée à 21h30 sur City FM, la plus citoyenne des radios. Talibé Bari, l'enfant de Koumi. On se retrouve lundi pour, bien évidemment, au compte de votre émission au quotidien, l'actu au scanner. Donc, bien à vous en compagnie de City FM, la plus citoyenne des radios.